cloîtrée dans les toilettes, où elle s'isole parfois. Elle pleure de tout son être et se demande pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a bien pu dire ou faire qui ne lui plaît pas? Elle redoute de sortir, elle sait ce qui se passera. Son homme est un chic type et tout le monde l'adore. Un tel homme, ça se mérite. Faut bien faire des efforts. Et quand son gars là-bas, il s'excuse à chaque fois. Il dit que c'est à cause d'elle qu'il s'énerve. Elle essaye de changer, tout faire pour le combler. Rien n'y fait, c'est toujours le même manège. Pendant un certain temps, il sera vraiment charmant. Elle retrouvera l'homme qui l'a séduite. Mais ça ne va pas durer, il cesse de la rabaisser. Et les coups recommenceront trop vite. Depuis plusieurs semaines, c'est de plus en plus fréquent. Il voudrait qu'elle comprenne qu'il vit mal le confinement. Et qu'il y a tout un tas de choses qu'il ne supporte plus. Elle ne rêve plus de vie en rose quand il lui cogne dessus. Elle n'ose pas en parler, de peur qu'on ne la croie pas. Un homme aussi parfait ne fait pas ces choses-là. Mais quand son gars là-bas, c'est plus fort à chaque fois. Elle emporte de plus en plus les marques. Elle voudrait le faire changer, qu'il arrête de la frapper, de la couvrir de mépris et de remarques. Elle peut plus rester seule, elle reloue le linceul, si elle ne se sort pas de là très vite. Oui, elle veut en parler, trouver où se sauver. Pour survivre, elle sait faut qu'elle le quitte. Comment donner l'alerte, partir sans y rester? Elle craint d'être découverte, et ce qui pourrait se passer? Elle a entendu dire qu'il y aurait des assauts qui pourraient réagir, il y a même un numéro. Et puis c'est assez neuf, mais dans les pharmacies, demander un masque 19 pourrait changer sa vie. Car comme son gars là-bas, elle veut sortir de là, préparer ses bagages, rassembler son courage, ne plus se sentir seule, elle a franchi le seuil, quitter cet enfer pour se reconstruire. Non, ce n'est pas normal, mais violence conjugale, et si t'en subis, je veux te dire.